Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Il y a des contre-jours par-ci par-là. Comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne Stella Elka TV. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker mes vidéos. J'espère que le fait des Pâques, ça s'est bien passé. Moi, je vais faire des courses, Claire. Pourquoi pas Aldi? Donc, je vais essayer de faire les 3 magasins. Donc, je verrai s'ils ont des promotions. Je vais vous filmer pour vous montrer qu'il y a des promotions. Sinon, s'il n'y en a pas beaucoup intéressant, je ne vais pas filmer à l'intérieur du magasin. Donc, je vais faire des courses. Voilà, les retours à la maison. Je vais filmer mon retour des courses. Je suis déjà chez moi. Je n'ai pas filmé dans le magasin. Donc, comprenez. Mais je vous dirai tout au long de la vidéo des articles qui sont passés en promotion. Je vous dirai ça. Et je vous dirai aussi mes coups de cœur, des choses que j'achète plus souvent pour les enfants. Ils aiment. Je vous dirai aussi qu'il n'est pas cher. Le but, c'est de faire des courses pas trop chères et des qualités en même temps. Donc, c'est possible. Sans plus tarder, je vais faire... je vais déballer mes courses. Je prends ça à l'éclair. Des trucs comme ça. C'est trop bon. C'est vraiment comme le truc des McDo. J'en ai pris 3 kilos. À le mettre, ils en font aussi de 2,5 kg. Ben, comme il n'y en avait pas, je pris comme ça 3 kilos. Pareil, c'est pour mettre au congélateur. Comme c'est des produits surgelés comme ça, faut pas qu'ils s'arrêtent longtemps. Je mets ça au congélateur. Donc, j'ai pris des trios de poivrons comme ça, des poivrons déjà coupés chez Lidl. C'est à 2 euros, que je trouve que c'est intéressant. Ils ont mis 3 sortes de poivrons. J'aime bien. J'ai pris la viande hachée. Pareil, à Lidl. Ça, je vais mettre au congélateur parce qu'il ne faut pas que ça se décongèle. C'est des couches que j'ai pris chez Lidl. La taille 5, c'est à 7,38 euros. Je sais plus. C'est comme ça. Je mets ça à côté. J'ai pris aussi des couches culottes chez l'éclair. Ça passe en promotion. C'est nouveau. Lotis Baby, Lotis des couches culottes. Taille 5. Normalement, c'est à 13,90 €. Et ils ont fait un paquet acheté, le deuxième offert. Donc, comme ça. Donc, ça veut dire le 2, ça passe à 13,90 €. Donc, c'est à moins de 7 €. Il y en a 30 couches. Donc, c'est intéressant. Si vous avez encore des petits qui mettent des couches, il y en a taille 5 et taille 6, c'est vraiment intéressant. Lotis, c'est la bonne marque aussi. Voilà. Je vais finir d'abord pour mon bébé. J'ai pris aussi des lingettes comme ça. Et Lidl, essuie-tout, le papier essuie-tout comme ça. À Lidl, 1,59 €. J'ai pris des tomates comme ça pour faire la salade. Je préfère des tomates comme ça. C'est dur, ça reste longtemps au réfrigérateur. Je trouve que c'est intéressant. J'ai pris des persils. Lidl, ils font à 99 centimes. Lidl à 10, c'est pareil. À l'éclair de grande surface comme ça, c'est plus quoi. Et ciboulette aussi, pareil. 99 centimes. Ça, c'est Aldi. Je dis j'attaque d'abord Lidl. J'ai pris la sauce panzani. Non, ça c'est pas Lidl. Ça c'est l'éclair. Voilà, j'ai pris panzani pareil. J'ai pris aussi les compotes comme ça chez Lidl. J'en ai pris 2. Là, je vais mettre ça par là.
J'ai pris le jus de goyave. L'idée, c'est à 99 centimes. Pareil, banane, c'est pareil. 99 centimes. J'ai pris deux bouteilles de vinaigre. Donc, pour nettoyer, pour faire. Ça, c'est des surgelés, ça va. J'ai pris les saucisses comme ça. Donc, il faut pour faire des pâtes, manger avec les frites. Donc, je prends toujours comme ça, je prends beaucoup. Et ce qui reste, ça va. Je prends beaucoup, mais ce qui va rester, ça va me dépanner pour le mois prochain. Les deux billes, le temps d'aller faire des courses, ça dépanne toujours. Oui, je vais mettre ça là. Voilà, je prends des yaourts comme ça. Et j'ai pris une taille. À ce moment, ils ont mis en promotion aussi Lidl. Le deuxième, ça passe à. Ils ont enlevé 50 ou 60 centimes. Voilà. J'ai pris le petit pain. Et ça aussi, c'est trop bon pour les petits déj. Franchement, ils aiment bien. J'ai pris des cookies comme ça. Je pris ça aussi, barquette comme ça au chocolat, j'aime bien. Tout ce qui est goûté, hein. Là c'est goûté. Ça aussi, je dis ben j'essaye, pochette. Ils ont mis ça aussi en promotion, ça passe le deuxième à 70% de réduction. Et puis, les pico, chips aux cacahuètes comme ça. J'ai pris les pains pour faire les comme ça. J'en ai pris deux. Comme c'est les vacances déjà ici, ils sont à la maison. J'ai pris les chips comme ça. Pour moi, chips nature. J'ai pris le pain nature pour le petit déj, pour le sandwich. Ils aiment bien le pain nature. J'ai pris le pain au lait. Le pain au lait normal. Hein. Je prends aussi le pain nature comme ça, ça c'est sans croûte, c'est pas mal aussi, c'est trop bon aussi, les pains unis plutôt. C'est sans croûte, c'est trop bon même pour faire les croques, messieurs. Franchement, n'hésitez pas à essayer, c'est trop bon sans la croûte. J'ai pris la brioche, je n'ai pas pris beaucoup parce que vu que la date, ça finit le 19 avril. Thérèse, tu peux arrêter? 19 avril, donc je me suis dit je prends qu'un sel, après je vais rajouter si ça finit. Parce que sinon ça va pas rester longtemps, c'est jusqu'au 19, c'est pas intéressant. Ça c'est dit. Je vais vraiment finir avec l'idée. J'ai pris des mini fourrés comme ça, ils viennent bien aussi, j'en ai pris un sel. J'ai pris des mini BN, donc BN là, ils aiment tellement trop BN. Donc j'en ai pris comme ça à la fraise, à Lidl, j'en ai pris deux. Donc, sachant qu'il y en a 10 à l'intérieur. Je dis comme ça parce que j'en ai pris aussi à Aldi. Donc ils ont mis ça en promo, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc ça, il y en a 10 à l'intérieur. J'ai pris la dentifrice, Signal. Ça c'était à l'éclair, je crois. Et j'ai pris des desserts comme ça, du chocolat, Crispy, c'est de la marque Lidl. Ça aussi, je pris à Lidl. J'ai pris des pommes. Vous savez, j'aime bien vraiment les pommes Lidl, les pommes bicolores. Les Lidl, c'est trop trop bon. C'est croustillant quand vous coupez là, vous sentez vraiment le goût de la pomme. J'aime bien.
chez Lidl, ils ont fait des pommes de terre à 1,49€, 5 kilos. Donc c'est en promotion aussi, 1,49€, donc les filles, allez vite. Hein. C'est vraiment intéressant, les 5 kilos à 1,49€. Donc c'est intéressant. Je prends aussi les jus d'ananas pour faire mon jus de gingembre, comme vous savez déjà. J'ai des gingembre, du coup, je n'avais pas fait, j'ai juste pris les jus pour faire. Ça, c'est la poire que je prends aussi à Lidl. C'est aussi intéressant, le poire de Lidl, c'est trop. J'avais déjà montré les suitous là, j'espère. Je prends aussi les suitous Lidl. C'est à 1,59€, comme ça, c'est pas trop... cher quoi. J'ai pris les papiers film comme ça à Lidl aussi, et j'ai pris le papier, les sacs de congélation Lidl, c'est 3 litres, c'est à 1,59€ ou 69€, comme ça c'est pas trop cher, mais ça tient bien. Leur sac de congélation aussi Lidl, c'est pas mal aussi, leur bain de bouche hein. Surtout la couleur là, c'est pas mal, c'est bain de bouche sans alcool. J'aime parce que c'est bien pour les enfants, comme c'est sans alcool. Donc c'est bien aussi pour les enfants. Si vous avez des enfants à bas âge ou des enfants qui ne supportent pas le goût d'alcool au bain de bouche, c'est intéressant. Parce que c'est sans alcool. À Lidl, j'ai pris aussi des pâtes, des coquillettes comme ça. J'en ai pris 2. J'ai pris des spaghettis, j'en ai pris 2, comme j'en ai encore, j'ai juste pris 2, quelque part c'est pire, il me restait 2 du mois dernier. J'ai pris aussi à Lidl de la farine, farine de bleu, j'aime bien le rouge aussi. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà, ouais. Là c'est tout ce que j'ai pris. Lidl, tout ce que je vous ai montré c'est Lidl. Là je vais passer, je vous ai montré ça, lardon à mettre comme ça. J'ai pris Lidl aussi, j'ai pris les salamis comme ça parce que moi c'est toujours réparti, ma fille elle aime le salami comme ça, et son frère il aime ça, les rosettes, les lions. Donc, je prends toujours les deux. C'est bien. J'ai pris aussi des croque-monsieur à Lidl. Voilà. Je dis c'est des croque-monsieur. Je pensais que c'était l'hamburger. J'ai oublié. Voilà, c'est pas là. Du lardon, je vous ai montré. Maintenant, à Aldi. À Aldi, je pris panzani. Donc, non, ça, j'avais pris ça à Lidl. La sauce bolognaise, je pris à Lidl. C'est la marque Panzani. Donc la sauce bolognaise, c'est... je pris ça à Lidl. Et tomate nature, les filles, maintenant je suis fan de ça. Tout le temps je prépare avec ça. C'est pas seulement pour faire les spaghettis à la sauce bolognaise, non plus pour faire pizza. Donc si vous faites des pizzas fait maison, c'est vraiment intéressant. C'est trop bon la sauce, la tomate nature là des Panzani. Franchement, n'hésitez pas, c'est trop bon, même pour faire la sauce. Vous allez aimer, ça passe bien, ça n'a pas le goût de la tomate, c'est ce que je préfère. J'aime bien quand je cuisine, je fais mes sauces, que je ne sens pas trop la mer du tomate, qu'on sent trop le goût du tomate, j'aime pas. Donc voilà, c'est comme ça, c'est vraiment intéressant. Là, je vais passer à l'éclair. Chez l'éclair, je n'ai pas pris beaucoup de choses, j'ai pris les tons comme ça chez l'éclair. J'en ai pris 3, mettons, pour faire des pâtes, pour faire des salades. J'aime bien. Cordon bleu. Franchement, c'est la marque Eco. Le cordon bleu là, si vous goûtez ça, vous allez. C'est trop bon le cordon bleu. L'éclair là, Eco. C'est trop bon. Quand je mange ça, si ils ont, comme là, il n'y en avait plus, je prends plein ça. C'est rare que vous partez faire des courses et vous trouvez ça. Ça part vite, quoi. Donc, du coup, c'est parce que c'est de la bonne qualité. C'est pour ça que ça part vite.
Donc courez vite, allez, si vous voulez goûter, c'est trop bon le cordon bleu là. Chez Leclerc, je prie encore ça, les céréales Lyon. Ils ont encore d'autres céréales qu'ils n'ont pas fini. Du coup, je n'ai pas pris tout ce qu'on a à la maison, je n'ai pas pris quoi. Il n'y en avait plus, le Lyon. Il me reste un seul paquet. Du coup, je vais rajouter. Comme c'est les vacances, ils aiment aussi les coflets sucrés là. C'est trop bon aussi. C'est de la marque Leclerc, mais c'est trop bon. C'est comme ça. C'est de la marque Leclerc, mais c'est trop bon. Ils aiment bien. Voilà. Chez Leclerc, j'ai pris aussi les savons, la lessive chez Leclerc. Donc c'est en promotion aussi pareil. Il passe à les 2 à 10 euros 15 ou 75, mais c'est en promotion. Donc du coup ils ont fait 30% sur la carte. Donc c'est intéressant, c'était à 15 euros et quelques. Et là c'est passé à 10 euros et quelques comme ça. Quand c'est en promotion, je prends, je profite, vous voyez. Je fais mes stocks. C'est intéressant aussi. Chez Leclerc, j'avais pris aussi la tomate nature. Donc, chez Leclerc, sachant que chez Leclerc, parce que j'hésitais un peu si j'allais trouver ça chez Aldi. Donc, du coup, j'ai pris à Leclerc les 3 à 1,05€ et Aldi les 2 à 75 centimes. Donc, j'ai pris aussi des bananes chez Leclerc. Les kilos, c'est moins cher par rapport à Lidl. Il faut que j'ouvre ça. Sinon, mes enfants, quand c'est noir, ils ne mangent pas. Donc, les kilos, et ils ont fait à 1,39€. Lidl, c'est à 1,59€. Donc, Leclerc, c'est moins cher pour les bananes. Si vous voulez chercher, vous voulez acheter les bananes. Donc. Ils ont fait aussi des échos, il y en a 5, 6, ils ont mis à 89 centimes, j'ai dit pourquoi pas, je vais essayer. Sachant que moi quand je prends mes bananes, je ne prends pas tout mire, je prends deux sortes parce que l'autre ça finit les mêmes jours. Et mes enfants quand ça, c'est un peu mou, ils n'aiment pas. Ben, du coup je prends ça qui n'est pas trop mire, je dis ben, je prends ça. Comme ça dès qu'ils finissent l'autre, ils vont attaquer ça demain ou le lendemain. Leclerc, ils ont mis ça aussi en promotion. Ça aussi, c'est en promo, les yaourts ça. Atimel, c'est en promo aussi. Allez vite. Hein. C'est pas cher, c'est en promo. Voilà, Mirinda aussi, c'est en promotion à Leclerc. Ils ont mis à 1,64€. Sachant que quand on achète à l'exotique, tout ça, on paye ça à 2€ ou 1,90€. Et ils ont mis à 1,64€. C'est intéressant. C'est intéressant. Je prends aussi les savons pour la vaisselle. Donc, ils ont mis 70% sur la carte. Ça, tout à 1 là. Ils ont mis 70% sur la carte. C'est intéressant. Et en plus, ils ont mis. Il y a du citron. Vous savez déjà, les citrons, c'est bien pour faire la vaisselle aussi. Donc, du coup, je lui dis, bah, ça serait bien. Et l'odeur du citron aussi dans les assiettes, le parfum, quoi. Le parfum citron, c'est hyper bien. Ça, c'est pour la lave-vaisselle, hein. C'est pour les assiettes. Voilà, je prie aussi coiffure éco. C'est trop bon aussi, l'air coiffure là. Vous n'allez pas. Il y a des trucs sous marque, donc des trucs comme de la marque Lidl, leur propre marque, Leclerc, Cora. Il y a des trucs qui sont aussi trop bons par rapport au. Vous voyez, quand c'est cher là, la marque ou la qualité, ils disent la qualité. Mais il y a des trucs que tu peux trouver comme ce que je vous ai dit, les cordons bleus, marque Eco, mais c'est trop bon, ça n'a rien à voir. Voilà.
Je voulais juste vous dire ça. Voilà. Et là, les couches, j'avais déjà dit, les couches qu'il a dans l'éclair. Donc, voilà. C'est en promotion aussi, les couches qu'il a pour les bébés. C'est en promotion. Chez Aldi, je pris la salade comme ça. Chez Aldi, je pris les gâteaux comme ça, du gaufre moelé. Chez Aldi, je pris aussi les transetto. C'est trop bon aussi, les enfants ils mangent ça. Je vous ai dit tout à l'heure, Aldi, il a mis en promotion les BN, BN, mini BN. J'ai dit toujours en anglais, je sais pas pourquoi. Les mini BN, ils ont mis ça en promotion aussi. Ça passe à 2,62 € comme ça. Donc c'est en promotion, c'est intéressant. Hein? Vous voyez, il y en a 15. Or, l'autre chez Lidl, il y en a 10. Et c'est à 2,62 € je crois. Mais ils ont mis, il y en a 15. Il y a 10 ou 20 centimes de différence, mais il y en a 5 paquets de différence. C'est beaucoup. Chez Aldi, j'ai pris aussi les jus d'orange comme ça à Aldi. Pour le petit déjeuner du matin. Ah, j'avais oublié, j'avais rajouté une bouteille de jus à Lidl, d'huile, une bouteille d'huile à Lidl parce que j'en ai encore une. Et j'ai pris la levure pour faire les beignets. J'ai pris la levure à Aldi, c'est aussi bien. J'ai pris les plantains comme ça, à l'éclair, c'est salé, j'aime bien. Mes enfants n'aiment pas trop salé, moi je prends toujours les... comme ça pour moi. C'est salé, j'aime bien le beurre. Vous pouvez faire la cuisson avec ça et vous pouvez prendre le petit déj, la tarte, tout ça avec ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris pour le mois d'avril. Comme vous savez, c'est les vacances. Quand c'est les vacances, ça part vite. Comme les enfants ils sont à la maison, ça part vite. Donc, j'ai pris les nécessaires. Donc, ça va les aider pour ce mois d'avril. Ma vidéo touche à sa fin. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker mes vidéos, à commenter. Je réponds toujours à mes commentaires. J'espère que toi qui regardes en ce moment ma vidéo, que tu n'es pas abonné, tu t'es abonné au moment que je te parle. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et que Dieu vous protège. Bye bye.